All that glitter and all that gold won't buy you happy. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Alors, je suis de retour de chez le cardiologue, tout s'est bien passé. En fait, pourquoi je suis partie chez le cardiologue? C'est parce qu'en fait, j'ai quelques petits problèmes de santé, rien de très très grave. Mais en fait, depuis des années, j'ai des palpitations, genre des grosses palpitations, genre des petits pics pendant genre 10-15 secondes où j'ai mon cœur qui fait boum, 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 boum. Et des fois, je suis essoufflée, des fois, j'ai mal au cœur, des fois, j'ai des petites compressions, enfin voilà. Du coup, bah, pour être plus sûr et pour être voilà, rassurée, du coup, je suis partie chez le cardiologue. C'était un peu gênant. Mais moi, les médecins, moi, j'aime pas ça. C'est gênant. Mais non, au final, il m'a fait un ECG, il m'a fait une échographie du cœur et tout allait très bien. En fait, il m'a juste dit ce que je savais déjà, que mon cœur battait un petit peu trop vite, plus que la normale, et que ma tension était trop basse. Donc, voilà, c'est ce que j'entends depuis 10 ans maintenant. Mais surtout que... Attends, il y avait un autre truc qui m'avait dit. Oui, par contre. Donc, je dois faire un bilan pour voir si j'ai pas un problème au niveau de la thyroïde. Et... je dois porter un masque. Ça, je sais pas quand je dois faire ça. Mais je dois porter un masque pendant 24 heures pour voir ma respiration et si j'ai des petites palpitations, genre pour examiner mon cœur. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Eh oui! Vidéo surprise! Out! Non! Oui, allez! Hop! Oui! Quelle est la définition de l'amour? Mais je tiens à continuer à rattraper peut-être ou non, mais tromperie, ça dépend des cas. Oh, ça c'est dur.